Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Yacine et de Myriam. Salam. J'ai entendu à l'oreille qu'il y a une fête foraine qui arrive et Yacine et Myriam, la PS5 Pro va sortir, elle coûte tellement cher. Ça vous dit pas, on essaie de la gagner. Vas-y. Mais en vrai, vous êtes trop nuls, on va jamais la gagner avec vous. Fais-moi confiance. C'est toi, ça fait déjà 3 fêtes foraines qu'on fait sur YouTube. La 4ème, les gars, ça sera la bonne. Vous êtes chaud ou pas? Ouais. Myriam, pour cette journée plutôt incroyable, ouais, j'ai un petit présent pour toi. Quoi? Vous avez un budget de 50 euros, les amis. Mmh. Donc, je vais te passer 20 euros. Merci. Moi, je vais prendre 10 euros. Ouais. Et ça, c'est à Yacine. Ok. Sachant que c'est Yacine, les gars, qui nous a donné les 50 euros. Donc, merci, Yacine. Les amis, on est bien arrivés à la fête foraine avec Myriam. À ma gauche, on a l'épreuve tant attendue. Il y a la PS5 à gagner, Myriam. Ouais. L'année dernière, on avait un peu bugué, on n'avait pas tellement gagné. Bon, ouais, cette année, ça va être comment? Je pense cette année, on va le faire. On va le faire. Ouais. Bois de l'eau. C'est parti les amis, nous avons pris 40 jetons, 5 euros pour l'instant. Le but il est très simple, il faut mettre des pièces à l'intérieur pour faire tomber un maximum de points et remporter les cadeaux de la vitrine qu'on ira voir juste après. Vas-y Myriam, c'est parti, première pièce. On fait la technique du moulin, Vas-y. On va mettre plein de pièces d'un coup. Allez, le moulinage, hop, c'est parti. Ouais, j'arrive plus à rentrer, On mouline, on mouline. L'année dernière, on n'a pas fait cette technique, mais là, du coup, ça va être incroyable. Allez, Myriam, mouline pour 5 euros. Oui, on a déjà une pièce qui est tombée, les amis. Premier cadeau. Ça fait plaisir, la technique du moulinage, elle marche pas mal. Eh, les gars, cette technique, elle est vraiment plutôt incroyable. Est-ce que vous pensez que c'est de l'arnaque? Moi, je pense pas, je pense qu'on peut gagner, mais après, pour gagner une PS5. Encore une pièce, les amis. Oh, c'est quoi? Regardez, bonus. Oh, c'est quoi? C'est une pièce qui vaut double. C'est une pièce qui vaut double, tu penses qu'on la remette dedans? Hein? On la remet. Mais non, mais non. C'est pour acheter des cadeaux, la pièce. Ok, bah je la garde. En ce qui concerne la vitrine, il y a énormément de cadeaux. On a des casques, on a des peluches, on a la PS5 d'AliExpress ici. C'est une dinguerie, on a des AirPods. Il y a quelque chose qui est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé. Encore une pièce, mais pour l'instant, ça sert à rien les pièces. Ah, encore une. Encore une autre pièce. Notre dernière pièce, j'espère que ça va bien tomber. Allez, on la met à droite. Ah non, elle rentre pas. Bah je t'ai dit, c'est un bonus. Vas-y, bah va demander au monsieur, elle sert à quoi? Monsieur, on a fini, on a eu ça. Merci. La pièce, elle sert à avoir 3 autres jetons. 3 dernières chances. Allez, allez, un petit billet là, un petit truc qui tombe. Y'a rien qui est tombé, bon bah. Les gars, on a perdu. Moi, je pensais dans ce genre de jeu, on pouvait gagner des PS5, mais en fait, non. Déjà 5 euros de perdu dans cette vidéo. Vous commencez à m'énerver. On a gaspillé 5 euros. On va enchaîner, les amis, sur l'épreuve Fortnite. Myriam, est-ce que tu peux présenter l'épreuve? L'épreuve, on a tout simplement un fusil. Il faut péter le plus de ballons. Si tu pètes par exemple 2 ballons, bah t'as un cadeau de la valeur. C'est parti, les amis, nous avons notre fusil. Ça s'appelle comment ce fusil sur Fortnite? Pompe-chasseur. Le pompe-chasseur, les amis. On va essayer d'aller à droite. Viens, on va à droite là-bas. Là. Vas-y. On va aller à droite. Okay, alors, Myriam, est-ce que tu veux essayer en première ou plutôt moi? Vas-y, j'essaye en première. Ok, tu tires là, c'est là que tu dois tirer, ok? Ah les gars, j'espère que c'est comme sur Fortnite, et genre on peut mettre des moins 100 et tout, hein. Allez okay. Myriam, vise bien, le ballon rose ou le jaune. Allez. Oui. En vrai, continue, je vais le recharger pour toi. Vas-y, va le pour recharger, on a juste à tirer comme ça. Je sais pas trop recharger, moi j'ai peur de me faire mal, je laisse filer. Regardez, on a des petits plombs, vous voyez? Ça, je vous promets, au collège, il y a un ami à moi qui s'était pris des plombs. Genre, il y a des gens qui lui avaient tiré des plombs. Et il s'en est sorti, heureusement, mais c'est très 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 dangereux, c'est pire que des billes ou du paintball. Alors là, on prend le côté plat, Et on vient le rentrer à l'intérieur. Comme ça, hop, on recharge. Et là, c'est rechargé. Vas-y, Myriam, la deuxième boule. Les gars, j'ai trop peur. Imaginez, je rate cette boule-là. Fais comment? Vas-y, rate pas. Ça fait comme t'as l'heure. Comme t'as l'heure, Mimi. Oh, Myriam, applique-toi. Sachant qu'on peut gagner plein de cadeaux. Regarde, il y a des jeux pour la maison. Il y a une console là-bas. Oh, il y a un nunchaku là-bas. Il y a un nunchaku. C'est où? C'est quoi le nunchaku? C'est un nunchaku, c'est pour faire comme ça. Ok, tu me laisses faire un coup? Vas-y. Ok. Je me laisse gagner. C'est parti à mon tour, les amis. Moi, je suis très très fort à. Ah, Fortnite, moi, je me mets à côté, mais il va faire n'importe quoi. Non, j'avais tiré. Oh là, j'ai tiré. Pour mon dernier coup, j'ai fait une dinguerie juste avant. J'ai rechargé, j'ai tiré là-bas. Heureusement, j'ai visé personne. Allez, on vise les deux d'un coup là. Aïe, j'en ai pété un seul. Je pense qu'on a rien gagné. Je vais demander à la dame. Madame, j'en ai éclaté deux. Alors, jeune fille, je te laisse quand même choisir un cadeau qui sera sur le verre. Ok. Je prends un petit cadeau. Elle a été sympa, la dame. Elle a dit qu'elle nous donnait quand même un cadeau. C'est carré. En vrai, je vais prendre une balle de basket violette. On est venu pour une PS5. Regarde, tu ramènes quoi, frère? Eh bon, moi, ça rebondit, je m'en fiche. Mais Myriam, t'es super nul. On a dépensé déjà 10 euros dans cette vidéo. On a acheté ça 10 euros. On est vraiment des pigeons. Les amis, on arrive dans des petites attractions comme ça, genre des petits bateaux pour les bébés. Là-bas, il y a une épreuve plutôt pas mal. Venez voir. Non, on va regarder. J'ai jamais vu ça de ma vie. De quoi? Regarde, il y a une petite qui est dans une boule. Elle au milieu de l'eau. Wow. Ça te dirait d'aller dedans ou pas? Pas trop, non. Toi, tu veux y aller? Non, non, moi, je suis trop grand. Je suis trop gros. Bah, c'est pas grave, tu sais nager. Tu veux pas aller dedans? Non, mais en vrai. Ça va aller. Ok, nous, on est venu pour la PS5. Il y a celle-là aussi. Regardez. Des conseils de faire des attractions parce qu'il y en a. Dites-vous, ils font des attractions dans les fêtes foraines et parfois ça reste bloqué en haut. Ça fait trop peur. Ouais, mais là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'attraction où tu montes, tu descends grave vite. Ça, c'est des attractions où tu tombes. Là, ce que j'ai envie de voir, les frères, c'est Myriam vs Yacine à l'autotamponneuse. Tous les coups sont permis. Faites-vous plaisir. Moi, vs Yacine, je vais l'exploser. On m'a défié aux autotamponneuses. Tu m'as défié? Ouais, vas-y. Est-ce que tu sais en faire toute seule? Ouais. T'es sûr? Pas trop, mais vas-y. Parce que moi, je prends vraiment une toute seule. Je vais te rentrer dedans. En vrai, t'es chiant. On fait soit à deux, soit à ça, chacun son côté. Elle a trop peur. Elle veut faire à deux. En vrai, je vais faire à deux ou tout seul, comme tu veux. Choisis. Non, moi, je veux faire tout seul, moi. Vas-y, tout seul. Ok, 1v1, c'est parti. Ok, c'est parti, allez Myriam, viens, monte dedans. Mets ta ceinture. Attends, déjà, je vais ma ceinture. Elle a grave peur, les amis, elle a grave peur. Younes, je vais te laisser lui expliquer. Moi, je vais aller m'installer dans ma voiture. Et là, c'est la guerre. Là, on n'est plus ensemble, hein. Je te dis, on n'est plus ensemble. Y'a pas de soucis. Comment on installe une ceinture?
ceinture. Moi, je mets pas de ceinture, c'est la guerre. Donc la pièce, normalement, faut la mettre ici. Oh. Allez, Myriam, accélère. Ah, ouais, merci. Wesh. Ah, voilà. Doucement. Attends, j'arrive. Parce que toi, tu fais la malise. Myriam, elle fait grave la malise. Eh, t'es même course. Eh, on remet la gueule, là. Vas-y, attends, j'arrive. Vas-y. Vas-y, mais arrête de me hacker, roule dans ta route, roule dans ta route, frère. Qu'est-ce que je vais te faire? Ok, je vais faire demi-tour. Non. Je vais l'éclater, les gars, vous allez voir. Ok. Oh, ah, t'es comme ça, toi, vas-y, j'arrive. Tac, prends de la vitesse, on esquive. Il est où? Non, mais il a 2 à 2 sur lui. Vas-y. 3, 2, 1, go, vas-y, je vais te go. Wesh. Wow, ça vient manger son pote. Roule. C'est la guerre, les gars, ça part en Royal Rumble. Je me fais hagan, les gars, Moi, ça y est, je pars. Ça y est. Alors là. Tu vas voir ce que je vais te faire. Alors là, ça, si tu crois que je vais pas t'attraper. Vas-y, course-moi si tu peux, course-moi. Aïe. Toi. Tout le monde me course, frère, Je m'attraperai pas, les gars, Si j'aurais pas eu la ceinture, je crois que je serais déjà mort. Hey, ils ont voulu me prendre en 4 VS1. Je l'ai éclaté. C'est éclaté à la fin. Bien sûr. Bien joué, en vrai, bien joué. Oh, regardez, il y a mon environnement. C'est moi, Tarzan, ouais. Vas-y, va. Il y a Myriam à côté, là. Et là, il y a Myriam avec ses grosses jumelles. Quoi? Bon, les amis, on va faire le parcours juste derrière. Parce que Myriam a dit que justement, c'était son parcours. Il y a des requins, il y a de l'eau, il y a des ponts. T'es prête? Ouais, je suis prête. Je suis Tarzan de la jungle. Il y a un pont, ok, je commence. Il y a des serpents. Je vais voir déjà si ça tient, parce qu'un gros comme moi. Vas-y, avance. Ok, c'est bon, c'est carré. Ok, c'est bon, je suis là. Dis, comment on va faire pour passer, wesh? Je sais pas, mais avant. Ok, on tire sur la corde. Ah, mais je vais tomber, frère. Après, je fais comment? Wesh. Faut se pencher vers l'avant, ok. J'ai failli tomber, frère. Faut se pencher vers l'avant. Pense pas vers l'avant. Ok. C'est moi qui t'avais poussé. Bien joué. Et là, c'est plutôt facile normalement. Attends, c'est facile. Il faut te souvenir dans la main du Cori si vous désirez. Viens, on y va. C'est une pause. Voilà. Avance là. Merci. Plus vite. Wesh. Vraiment, me pousse pas, Myriam. Ok, parfait. À mon tour. Ok, parfait. On va jamais me tenir mon poids à ça. Oh punaise. Punaise, ça avance, casse pas. Ça passe, c'est carré. Younes, casse rien. Bouge, je vais tomber. On va tomber. Impossible, Myriam est réussi. Younes. Allez, Myriam, je peux le faire. Y'a des serpents. Vas-y, avance là, plus vite. Attends, wesh, calme-toi. Avance, je suis bloqué. C'est bon, j'ai réussi avant Myriam, je mets une vitesse. Wesh. Arrête! Bien joué, t'as survécu aux animaux de la jungle. On est avec des petits abonnés. Vous voulez passer une dédicace? Dédicace à qui? Je vais faire une dédicace à mes cousins. Déjà, il y a Zied et l'autre, c'est Samy. Et abonnez-vous tous à la Côte Familia. Vous avez entendu, il faut tous s'abonner, les frères. Fais une dédicace à Mbappé. Je vais faire une dédicace à Mbappé, aussi à mon père et mon frère, ils sont à l'hôpital. Que Dieu les guérisse. Ouais, et j'espère quand ils vont revenir, ils vont regarder vos vidéos. Merci beaucoup, en tout cas. Petite dédicace? Dédicace pour Ali et Mohamed Amine et Fatima Zahra. Ok, dédicace à vous. Les amis, une dinguerie. Les responsables de la fête foraine, ils nous ont offert plein de passes parce qu'ils ont vu nos vidéos, ils ont bien aimé. Donc on va pouvoir gagner une PS5 avec tout ça. Ouais. En gros, on peut demander qu'ils nous donnent la PS5, on leur donne tout ça en échange. Oh, ça serait bien. Bonjour. Elle aimerait bien faire une partie. C'est combien? 5€. 5€. Il me reste que 5 balles. Toi, t'as rien utilisé, toi? Non. Utilise un peu, frère. Moi, pour la bouffe. Comme ça, pour la bouffe, on veut gagner une PS5. Tiens, Myriam, vas-y, t'as intérêt de gagner. Tu vises bien au milieu. Faut faire comme ça, il faut tirer. Voilà, tu tires bien comme ça, une balle dedans. Allez, applique-toi. Hein. J'ai visé le milieu comme ça. Vise le milieu ou le bas, c'est comme tu veux. Bien. Voilà. Tu vois quand ouais. Tu veux. Ok, voilà, faut que je vise là-bas. Hey, t'imagines, on a ça à la maison. Oh. Ah, là, ça reste une seule chance. Dernière, là, ça va être chaud. Oh, en vrai, ça. Regarde, là, tu vises bien au milieu. Allez, Myriam, un petit effort de concentration. Incroyable, lâche le check. Là, j'aime bien ma petite sœur. Elle a pas une PS5 à gagner, mais là, elle est super forte. Prends une petite peluche au pied. Ouais, je vais prendre une peluche là. Petit cadeau pour Myriam. Gourmande, elle est gourmande la là, peluche. Là, c'est bien parce que ça t'échauffe pour la prochaine. Des motocross. Regardez ici, on a une moto pour Myriam. Est-ce que t'aimerais bien la voir? Bah, tous les jours. Ça, c'est une pocket bike. Je te rappelle, on avait déjà une orange et cette fois-ci, elle est verte. Ouais. Il va falloir mettre des anneaux. Il y a des iPhones à gagner. Il y a énormément de choses à
choses à gagner. Yacine, il est super fort à ça, donc moi je vais laisser Yacine le faire. Vas-y, vraiment un coup chacun en vrai. On veut tous essayer quand même une fois. Bon les amis, il y a la PS5 et la motocross, tu veux viser quoi? Moi en vrai de vrai la motocross. Ok. Mais moi en vrai j'ai envie d'essayer en vrai de lancer. Place, les gars. Et je fais confiance à mon instinct. C'est où tu veux viser où? Tu vois genre là-bas il y a l'iPhone. Ah oh, un iPhone en vrai. J'en veux bien. Celui-là là? Ouais, vas-y le bleu. Ok. Tu veux essayer un? Vas-y. Vas-y, tu en essayes un. Moi je te dis, moi je suis pas doux. Allez Myriam, c'est parti. Vise bien l'iPhone là-bas, l'iPhone bleu. Ok. Vas-y, lance. Ah, en vrai de vrai, il y a moyen de faire un ricochet, ça revient sur un truc en vrai. Bah ouais. Faut être stratégique, faut lancer un truc où il y a plein de trucs à côté. Là, il y a la PS5 et l'iPhone là-bas, donc on va lancer là en vrai. Faut même pas qu'il me commence à me faire gagner un doudou là. C'est parti. Dommage. Oh, t'allais viser l'iPhone. J'étais à ça. Ok, là c'est bon. L'iPhone. Faut plus de puissance en fait, en vrai de vrai. L'iPhone. Oh, j'étais sur l'iPhone. J'allais casser un iPhone, j'allais pas gagner un iPhone, j'allais casser un iPhone. On va essayer de lancer la moto. Moto, ouais, bah ouais, mais... Hey, j'ai un shoot, il est catastrophique. Vise l'iPhone vert. Okay. Oh. Mais en fait, c'est impossible parce que, regardez, ça peut pas rentrer dans un truc carré, faut vraiment mettre de la force et que ça cadre. Dernière chance. L'air. Ah ça les gars, non, c'est pas que j'allais gagner. Une cafetière, non ça va aller. Toi t'as gagné quelque chose, comment t'as fait? Il m'a laissé encore 7 chances que j'ai négocié. Et en fait quand je l'ai jeté, ça atterrissait comme la balle. T'es un tricheur en fait. Petit tricheur. Ah bien. Donc en gros tu es en train de nous dire qu'il faut tricher pour gagner. Ouais, je suis. Ok, moi je suis pas un tricheur moi. En vrai de vrai la famille, on n'a pas remporté la motocross ni la PlayStation 5. Bon c'est quand même bien amusé. Ouais. Ça va, c'était marrant. Viens, on va acheter à manger, j'ai 20 euros. T'as la dalle? Ouais, là-bas il y a des trucs à manger. Mais ça va péter un câble. C'est pas grave, c'est vas-y. Vous connaissez, je suis meilleur joueur au foot de la famille, du coup j'ai besoin de balles de foot. Là, y a des balles de foot, on va essayer de gagner des balles de foot. Mais tu vas pas réussir, qu'il y a des pièces. Une partie, 1 euro, 3 parties. T'as 1 euro, Raboule, 1 euro. 1 euro, j'ai pas 1 euro. Bon, je vais mettre 2 euros, comme ça j'ai 8 parties. Eh, okay. on fait 2 parties chacun. Ok, c'est parti. On prend laquelle, Myriam? Prends la chaîne, elle est belle. Vas-y. Eh, tu gagnes. Non. C'est que la première, t'inquiète. Mais t'es trop nul, tu es nul. Tiens, moi ça m'a chauffé pour ça. Vas-y, essaye. Par contre, si tu dis que je suis trop nul et t'arrives pas, c'est toi qui es trop nul. Ok, recule. Faut que j'appuie là. Attends, recule vite, ça va le faire. Comme ça, bouge plus. Ok. Oui, Myriam. Mais on va vers plus là. Ouais. Ouais. Non. Oh, j'ai le seum. On avait le ballon. Oh, ils m'ont carna. Vous avez vu comment ça marche pas? Mais Yacine, t'es trop bête. Non. On est en train de jouer des ballons, juste à côté il y avait des Mac, des PS5 et tout. Oh, j'ai trop le seum. Pourquoi t'as fait ça? Désolé, j'ai pas vu. Fallait me dire aussi. Là, je commence à vraiment m'énerver. Au début, je disais rien. Il est parti jouer des ballons alors qu'il y a des PS5 et des MacBook à gagner avec mon argent. Mais l'argent, acheter à manger. Non, avec ton argent, c'est pas mon argent. Avec mon argent, on peut l'acheter à manger. Mais arrête avec ton manger. Une PS5, c'est mieux qu'à manger, Myriam. Vas-y, viens là. Ouais, on va acheter à manger. Moi, je sais pas, fais une attraction, fais ça au lieu de manger là. Tu veux pas faire ça? Non, je veux manger moi. Mais tu veux manger? Tiens, mange mes mains. Vas-y, Non, je veux manger là. Ah, c'est bon ça. On va faire du trampoline. À chaque fois dans le jardin, il me dit, achète-moi un trampoline, tiens. Ok, ah, vas-y, y'a pas de soucis. Voilà. Mais comment tu fais pour faire que de gagner? Il l'a fait gratuit. Ah, ok. Mais demande qui vous fait gratuit la motocross et la Play 5. Ah les gars, je vais faire du trampoline, mais moi, en fait j'en ai jamais fait comme ça. T'es là, tu peux faire un salto. Va faire du trampoline, arrête de raconter ta vie. Voilà, on est devant Chamonix, c'est une attraction qui fait super peur. J'ai deux places, vous êtes 1, 2, 3, 4. Il y en a deux qui vont faire, deux qui vont pas faire. Oh, je vais vous poser des questions. Le premier qui lève la main, je l'interroge, j'y réponds, il a sa place. Trois footballeurs brésiliens. Oh. Lui, il a levé en premier. Na, quoi? Marquinhos. Voilà. Le deuxième, t'as dit qui? Neymar. T'as dit Neymar. Neymar, ouais, ça fait pas. Merci. Qui a été le dernier ballon d'or? Vinicius. De... Messi, il a gagné. Le dernier ballon d'or, ça a été Messi. Il a volé le ballon d'or. Du coup, vous deux, vous allez pouvoir faire Charmonix. Ils vont y aller là, il va être une dinguerie. Est-ce que vous avez un conseil à donner à vos potes et où est ton frère? Pas de conseil. Moi, je suis là, bref, vous avez la meilleure position, vous allez que rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avouez, j'ai déjà fait l'attraction. Et c'est pas, j'ai peur, quoi. Mais je vais laisser mon frère, il l'a jamais. Non, arrête de mentir, dis la vérité. On veut la vérité. C'est pas une honte d'avoir peur. C'est pas que j'ai peur. Mais en fait, là, c'est trop peur. Franchement, je l'ai dit, ça vous êtes. Moi, je sais pas c'est quoi, je sais même pas ce que je fais là. Au Maroc, il y a pire, au Maroc. Attends, t'as fait gagner mes places là? Ouais. C'est une blague. Ils sont partis faire Chamonix. Venez, vous, je vous parle, vous deux là. Quoi? Bon, SLM, on va vous laisser là. Tu t'appelles comment? Aya. Aya, est-ce que tu penses que c'est possible à la fête foraine de gagner une PlayStation 5 ou une moto ou genre c'est impossible? 99%, tu vas pas réussir. Mais il y a 1% de chance. Ouais. Merci. On fait une grosse dédicace en tout cas. Bon après-midi. 1%, c'est possible. Venez, je vais vous parler. Myriam, depuis tout à l'heure, elle me dit qu'à la fin, du coup, on est pour s'arrêter dans un stand. Il y a de la bouffe. Là, il y a plein de bonbons.
Il y a des pastèques, des sirops. Moi, je te conseille, Myriam, de prendre ça. 3 euros de bonbons, c'est carré. Mais là-bas, il y a des gaufres et tout. Des gaufres. Ou alors, en vrai, je prends une barre à papa. Des bonbons. Ok, bah prends un truc de bonbons là et un truc là-bas, ok. Ici, je prends une barre à papa. Elle fait n'importe quoi, elle prend des barres à papa, mais c'est grave. Je vais vous prendre une barre à papa. Attends, les gars, l'attraction, elle a commencé là-bas. Younes, il a trop la haine. Regardez, ils sont en train de s'amuser là-bas. Ça va doucement, mais ça va accélérer. Ta barre à papa, toi, c'est toi qui paye. C'est bon. Bonne journée, au revoir. Après, là, les amis, on a tout tué dans la fête forêt, je crois. Younes, il nous en veut de fou parce qu'il voulait faire cette attraction là et on a donné à des abonnés. Oula, Myriam, mange vite, mange vite parce qu'il va s'énerver. Non, ça y est, mange vite. Les gars, là, j'allais prendre une gaufre et un burger. Myriam, viens ouais. Voir, on va discuter, viens voir. Là, t'as acheté une barbe à papa. Ouais. T'as encore utilisé tout l'argent. Bien, pas de PS5. Donne. Mais c'est à moi. Lâche, ouvre la main. Tu me donnes même les 1 euro. On y va. Allez, vous êtes en viré. En gros, t'es en train de me virer de la fête forêt. Vous êtes viré de la fête forêt. Toi, tu viens avec moi. C'est la dernière fois que vous venez ici, je vous tire de la fête forêt. C'est n'importe quoi ce que t'as fait. C'est la première fois de ma vie, je me fais virer de la fête forêt. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est mon argent, Younes, s'il te plaît. Merci. Vas-y, on y va. C'est bon, on est viré. Mais regarde, on a plus le droit de rien faire ici. Ça me saoule. En plus, il y a un chien méchant là-bas. Il nous aboie des consorts. Mais Yacine n'a pas réussi la PS5. Younes, il est grave énervé en plus. Tu veux que je fasse quoi? J'ai essayé, j'ai lancé les anneaux, ça marche pas. J'ai essayé de prendre le ballon, ça marche pas. T'as vu, la fille, elle a dit qu'il y a que 1% de chance de gagner. Après, c'est comme ça, hein. On est nul. Hein. La famille, j'espère que ça vous aura plu. Malheureusement, on n'a pas pu finir la fête foraine parce qu'on a été viré par Younes. Il veut plus qu'on reste là, il a trop le seum qu'on n'a pas gagné la PS5. Donc, on vous laisse là. Ciao.